Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, sous l'épisode de Robocraft, chers amis. Donc, à la demande générale, je vais retenter le coup avec ça. Hop, vu que vous en redemandez, enfin, vous en redemandez pas encore, techniquement. Mais je vois que vous n'arrêtez pas d'en parler dans les commentaires, du coup, je vais retenter ma chance. On verra bien hein, ce que ça va donner. Moi personnellement je suis pas du tout convaincu hein. Alors j'espère que mon logiciel de tournage va fonctionner correctement. Mon logiciel d'enregistrement. A vrai dire il m'inquiète un petit peu, j'ai tout. Donc c'est Shadowplay hein, que je réutilise pour Robocraft. En fait il n'y a que pour Starbound que je n'utilise pas Shadowplay. Il me semble. Starbound et Agatha Christie's ABC Murders. Parce que la version que j'ai actuellement donc d'Agatha Christie qui est la version entre guillemets journalistique apparemment ne prend pas Shadowplay. Bon, ça c'est un détail. Cependant, Shadowplay a des gros problèmes avec Windows 10. Du coup, je l'ai complètement supprimé et réinstallé tout ça, hein, toute la GeForce Experience. On va bien voir si ça tient. Ok. Donc en plus de cette map, on peut peut-être espérer, disons pas un fonctionnement optimal, mais une possibilité. On m'a expliqué qu'il fallait bien que je tire en l'air parce que sinon en fait voilà ce qui se passe. Et quand tu tires en l'air, ça finit par exploser s'il y a un ennemi à côté. Si je tire trop près du sol, ça n'explosera pas. On lui a bien fait peur, chers amis. Oh, ils sont nombreux. Oh, ils sont nombreux. Mais qu'est-ce que vous branlez tous encore là? Ah si, non, ils ont le truc là-bas. Hop. Donc ça sert à rien que je vise les ennemis, j'imagine, au sol, hein. Ah, j'ai cru qu'il y avait un sniper là-bas. Alors, à tous les coups, il va pas y avoir d'ennemis volants. À part le heal, donc le heal volant, lui, ne restera pas. Donc voilà, voilà encore une fois les limites de ce véhicule qui fait que. Hop. Qui fait qu'un ennemi qui est trop proche du sol ne subira pas l'explosion. Je trouve ça stupide. C'est stupide au possible. Donc là, je peux pas viser parce que j'ai le putain de truc devant moi. Si je demande à mon vaisseau de tourner sur la gauche, il hésite. Non, il finit par le faire. Hop, touché. Qu'il osera se renvoler. Oui, il ose. Cependant, je suis trop mauvais. Ok. Apparemment, je fais bien peur à mes ennemis. Par contre, je comprends pas où sont les autres. Voilà, ils vont nous contourner peut-être. Ils sont tous là-bas, voilà. Ils attendaient en fait au tournant, littéralement. Je vais éviter de me mettre devant par contre, parce que là c'est un peu mauvais comme place. Ok. C'était ma faute, je reconnais. Mais apparemment tout le monde s'en fout. Je sais pas si c'est le moyen le plus facile de se retourner, mais enfin bon écoutez. Dire que pendant un temps il fallait un système d'onde à impulsion. Pourquoi vous avez arrêté de tirer? Au secours! Mais t'es con! Ok.
Apparemment on a un AFK. Aïe. Ok, ça m'aura fait vachement mal. Mais ça ne ressemble à rien comme véhicule, hein. Je suis désolé, hein. Donc, je vais crever en enfer. Vous connaissez mon avis sur ces trucs là. Ça ne devrait pas, en fait, le moteur physique du jeu ne devrait pas accepter ce genre de véhicule. Voilà, tout simplement. C'est parce que la physique du jeu est complètement chiée que ça se passe comme ça. Et normalement, quand vous vous propulsez dans un sens, il faut contrebalancer. C'est exactement, en fait, ça devrait être exactement comme le mode sans pilote assist de Deadly Dangerous, en fait, très précisément. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir partir dans une autre direction, il faudrait compenser la puissance que vous avez mis dedans. Et ainsi de suite. Hop. Your middle fusion tower is under attack. Ah, j'ai pris des dégâts, ça y est. Qu'est-ce qui c'est? Qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hop. Un petit coup de heal, j'aurais bien par où ça passe. Hop, faisons peur. En fait, c'est une arme à faiblesse, littéralement. C'est une arme à faiblesse, à inutilité, à potentiel inutile. C'est là qu'est la catastrophe de cette arme, en fait. T'es sérieux là? Bon, bah, c'est reparti. Ce qu'il aurait peut-être fallu, c'est donner. Non, j'allais dire donner ce pouvoir-là au DCA, mais non. Non, non, surtout pas. Enfin, au SMG, mais non. Surtout pas, elles sont déjà complètement craquées. Peut-être simplement augmenter la cadence de tir. Hein. What, mais t'es quoi, toi? Par contre, si tu pouvais. Mais. T'es sérieux, là? Ok. Aïe. C'est une idée ça, effectivement. Hop. Zéro dégâts. Voilà, fini. C'est génial, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, chers amis, mais franchement, je trouve ça génial. Hein. Ou alors, on fait en sorte que les... Je veux bien que ce soit comme ça, d'accord? Mais on fait en sorte que les SMG ne tirent pas plus haut. Que les SMG ne tirent pas en hauteur, en fait. Voilà. Pourquoi pas? Mais faut équilibrer. Parce que du coup, regardez, on voit plus du tout de... Voilà, je vois pas de pratiquement pas d'ennemis volants. C'est génial. Regardez-moi cette précision de ouf. Et voilà, comme il est collé à un mur. Oh putain, mais c'est moisi ça. Voilà, il est collé à un mur. Ça le sauve. Ça y est. Hop.
Oh putain. Heureusement qu'il est solide. Hein. Là. Petit coup de heal par là. Bon, enfin bon, c'est comme ça. Mais c'est encore une fois, ils font des mauvais choix, je trouve, au niveau de leurs nouveaux équipements et nouvel armement. Ouais, ce n'est que mon avis, hein, encore une fois. Vous pouvez m'avoir ce machin là, s'il vous plaît, merci. Parce qu'il faut que j'attende d'être... Oh! Le tir perdu! Le tir perdu par excellence. Oh, mais merde! Ah, saute! Oh, mais genre! Genre! Voilà. À partir du moment où il y a un overblade, je devrais pouvoir faire plus de dégâts. Voilà, ça devrait être ça, tout simplement, en fait. Enfin bon, c'est pas grave. Par contre, il faut que j'améliore. On avait dit qu'il fallait que j'améliore mon sniper. Que j'en fasse quelque chose d'un peu plus stylé. Ça serait peut-être intéressant à faire. Ok. Enemy spotted. Plus cher cet ennemi là. Ah, il n'est pas considéré comme étant en altitude. Dommage. Hop. Your bottom fusion tower is under attack. C'est l'heure de la fuite. Ah. Oh les mecs, rushez leurs points. What? T'apprendras à laguer comme un porc. Hop, et de deux. Même pas eu celui-là. Alors, la suite. Ouais, c'est pas. Enfin. C'est une arme qui est mal fichue, encore une fois. Hein. Une autre encore. Hein. Un petit peu à la manière de la SMG. Hein. Elle est complètement craquée. Et ben là, c'est l'inverse, en fait. En fait, c'est l'arme qui balance la SMG, en fait. Littéralement. Vous voyez, parce qu'il faut que je sois immobile pour pouvoir tirer. Donc lui, voilà, il veut plus voler parce qu'il a peur. Bah, je fais ce que je peux, mais tu vois, regarde, l'inutilité de cette arme fait que voilà, on a une merde comme ça, qui elle est complètement craquée. Franchement, ça me troue le cul. Soyons honnêtes, ça me troue le cul. Enfin bon, j'ai confiance en mes alliés, ils vont la voir. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez pas aller rush les points restants? Hop.
Avant qu'on ne perde un, qu'on ne perde un point. Hop. Non, non, c'est une arme qui coûte extrêmement cher. Franchement, j'aimerais être remboursé, toi. Enfin, vous voyez. Vous voyez, on... Moi, j'aimerais être remboursé, vous voyez. On... Oh oui, je vois, vous voyez. Oh oui, je vois. On... Vous me voyez, monsieur McKay, vous êtes gay. Je précise que ça est une imitation d'une imitation, enfin d'une caricature. Donc je n'ai aucun problème avec. Ah, il me saoule! Il me saoule, va crever en enfer, sale merde! Voilà, c'est dit! C'est dit! Allez, vas-y! Oh merde, il s'est fait toucher! Par contre, t'es mauvais, hein! Tellement mauvais, mon pote! Ça y est! Plus qu'un! Allez, vas-y, tire! Oui, ça y est, il l'a eu, GG. Bon. Bah, ça m'avait pas l'air trop mal en fait. En fait, sur le principe, elle est bien, mais faut pas tomber. En fait, t'as une chance sur un mille, enfin, t'as une chance sur 5 de tomber sur une partie où il y a des... où il y a plusieurs volants ou des volants utiles. Par exemple, là, j'avais un volant heal, donc il vole rarement. Il va rarement très très haut. Il se déplace vite pour aller jusqu'à ses potes. Mais sinon, il va rarement très haut. Donc ouais, faut avoir un gros coup de bol. Hein. Bon, écoutez les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour notre aventure, salut les gens.